Tu entends un violent craquement. Tu as lancé un des trois. Ou un des quatre, mais on va dire que c'est un des trois. Peut-être là, c'est toi. Un des trois, un des quatre, et sur quatre, tu relances. Donc, l'avantage du virtuel, c'est que les des trois, on peut les lancer. Ah, magnifique. J'adore. Et, alors, tu t'écroules de tout ton long. Forcément, tu penses bien que le squelette se dirige vers toi, hein, d'un pas très énergique, et t'entends un énorme craquement. Et au moment où tu commences tout juste à te relever, tu mets la main sur ton petit carquois et tu te rends compte que toutes tes flèches se sont brisées. Tu n'as plus de flèches. Tu n'as plus de munitions. C'est vraiment lamentable, mon cher. Tes flèches se sont brisées sous ton poids. Et tu vois ce squelette te charger. Kadri qui, lui, court vers la porte. Scylla vers le puits. Mita, à l'intérieur de la tour, que fais-tu? Eh ben, je vais mettre en œuvre mon plan d'espionner ce qui se passe en haut des escaliers. Ça me fait repérer. Très bien. Tu vas me faire un... Tu auras un plus 1. Et tu vas me faire un... Ben, dis-moi comment tu t'y prends. Eh ben... Vas-y. Je vais monter les escaliers en essayant de faire des pas de velours. Et en fait, je suppose, tu vois, que en fait, c'est une sorte d'encadré dans le plafond, en fait, qui permet de monter. Donc du coup, en fait, je vais juste pointer le miroir vers l'intérieur de la salle, vers la lueur, et regarder à travers le miroir ce qui se passe, en fait, dans cette salle, s'il y a quelqu'un, d'où vient cette lueur. Enfin, faire un peu le tour de la salle avec le miroir. Tu vas me faire... Défier le danger, j'ai ton intelligence. C'est un peu de l'ingéniosité avec ton miroir, etc. Donc. Voilà. 12. Eh bien, ce que tu aperçois, tout simplement, tu aperçois ce qu'on appelle un esprit. Et pas un esprit dans le sens... des esprits avec lesquels tu communiques, qui sont les esprits des vivants, de la nature, etc. Non, tu es face à un être fantomatique. Ok. Et de ce que tu aperçois dans ce miroir, ça semble être un homme en armure. Par contre, il n'a pas de casque. Il a... Et son visage, il est horrible. Son visage, il est tout purulent. Malgré que ça reste un esprit. C'est-à-dire que, tu sais, c'est très fantomatique. C'est une lumière bleutée, blafarde. On voit légèrement à travers. Mais par contre, il a un visage purulent. Il a plein de grosses pustules. C'est dangereux, affreuses. un esprit. Ah, ça, tu sais pas. Voilà. Après, vu que tu as fait un succès complet, je vais dire aussi ce que tu peux apercevoir rapidement dans la salle d'intéressant. Ce que tu aperçois, c'est que la salle où il se trouve, il semble errer. Et pourtant, on entend le bruit à l'extérieur. Mais pour l'instant, tu entends un crin-crin qui s'interrompt. Voilà, c'est de musique qui voulait faire un morceau de musique et qui s'écroule. Mais tu aperçois que ça semble être une salle de réception. Il y a deux grandes tables. Et au bout, un grand fauteuil. Voilà. Et c'est assez obscur, il y a pas mal d'obscurité à part cette lueur et blafarde qui émane carrément de l'esprit.
Et dans ton miroir, t'aperçois plusieurs silhouettes qui semblent attablées, mais immobiles. Ok. Après, si tu veux en savoir plus, il faudra me faire discerner la réalité. Bah, je vais faire ça. Donc, tu peux me poser une question. Choisis bien avec une question de la liste ci-dessous. Sachant que ta question, qu'est-ce que me murmurent les esprits, tu risques d'avoir un peu la même réponse que tout à l'heure. Oui, oui, parce que je suis au même endroit potentiellement. Parce que potentiellement, c'est un peu le même endroit, effectivement. Tandis que toutes les autres, même déjà posées, peuvent être très différentes puisque tu n'es pas dans la même pièce, tu n'as pas les mêmes choses de visible. Que va-t-il se passer ? Que va-t-il. Que va-t-il se passer ici ? Que va-t-il se passer ? Je dois mettre des conditions, genre s'il monte ou. Okay. Non, que va-t-il se passer ? C'est une prémonition, peut-être un peu chamanique, mais il est évident que la personne ou la chose auquel te murmurent les esprits, c'est effectivement cet esprit-là. Et tu ne sais comment et pourquoi, mais à un moment, tu es sûr qu'il ne va pas rester dans cette salle sans rien faire. À un moment, tu sais que cet esprit va, si d'une manière ou d'une autre, va vous demander son dû. C'est-à-dire ce qu'on vous a. Il va vous demander son droit de passage, votre droit de passage. C'est lui qui va vous demander ça. T'en es persuadé. Et voilà. Donc à un moment, tu sais que celui-ci ne va pas rester en fait comme ça. Soit il va sortir par l'escalier, soit il va intervenir. Je ne sais pas quand, mais ça ne risque de ne pas tarder. D'accord. Peut-être que c'est au moment où on dépasse la tour, ou alors quand. Je ne sais pas, mais où quand on essaye de se diriger vers la sortie, peut-être. À un moment, il va intervenir. Ça, t'en es sûr. Tu sais quoi, je monte. Allez. De toute façon, très bien. Il va me voir, donc. Pour l'instant, il t'a pas vu. Pour l'instant, il m'a pas vu, c'est sûr. Mais si tu montes, effectivement, il te verra. Enfin, si tu montes mais comme ça, monte il te verra. En étant... Non, mais sans bourriner, je monte les escaliers en gardant un œil sur lui, tu vois. Genre, je suis pas agressive. D'accord. Eh bien, les gens dans la cour, Sidar, que fais-tu ? Bah moi j'étais en train de regarder ce puits qui reste bien mystérieux et en me retournant je vois ce pauvre Buzzit qui est sur son séant avec le squelette qui fonce vers lui. Je vais cogner ma lame contre mon bouclier et attirer l'attention du squelette pour protéger Buzzit. Je vais hurler ce bard agaçant restera en vie tant que je serai encore debout. Eh bien, tu vas me faire défendre. Non, c'est bien défendre que tu fais. Bon, si... Ouais, on dirait. Ouais. Tu peux avoir une constitution de malade, quoi. Pas forcément. Hein. Pas forcément, mais il a une base de points de vie bien supérieure à la vôtre. C'est sûr. Déjà moi. Ouais. De base. Sina. Alors, bah, je redirige vers moi l'attaque ennemie, bien évidemment. Bah, je prends les trois premiers du coup. Je redirige vers moi l'attaque ennemie, je diminue de moitié l'effet de son attaque. Et puis j'offre à Buzzit un petit plus 1 sur sa prochaine action envers ce squelette. Ok, je vais le soigner.
Non, c'est pas ça. Soigne-le. Comme il est mort-vivant, ça peut... en plus, ça peut marcher comme il est mort-vivant. Ouais. Il y a certains jeux où tu les cannes en les soignant. Oui. La célèbre queue de phénix sur le boss de Final Fantasy. Ah ouais. D'accord. Donc, clairement, hein, le squelette te charge, hein, mon cher Sylar. Et tu n'obtiendras pas de dégâts, quel qu'il soit. Tu as tiré son attention et il vient vers toi en chargeant, oubliant ce piètre barde qui se roule à terre. Il brandit son arme en courant dans ta direction. Buzit, hein, tu as peut-être l'avantage pour faire quelque chose. Oui, effectivement, je me retourne... J'étais pleine face contre terre, je me retourne et encore par terre, je lance. Assis par terre, quoi. Non, même pas par terre, allongé, tu sais. Allongé comme ça, je me retourne. Et ramasse désespérément son. Ah, mon violon! Oui, oui! J'ai oublié le plus 1, mais 9, je pense pas que ça change en soi, non. Très bien. Ok. Ça marche. Hein, ta mélodie marche. Son esprit s'effondre une nouvelle fois. Tu te dis que ta magie est décidément extraordinaire. Ou pas. Derrière toi, Sylar, les bruits de grattement se font beaucoup plus violent, beaucoup plus hystérique. Et quand tu regardes d'un court coup d'œil, alors que le dernier ennemi vient de s'écrouler, tu aperçois des dizaines de mains squelettiques s'accrocher au bord du puits. Kadric, tu pénètres dans la tour. Que fais-tu, toi, Kadric? Quand tu arrives à l'entrée de la tour, aperçois Nita en haut de l'escalier. Qui semble en catimini. Parce que le gros bourrin en armure qu'ils ont à Nine. Qu'est-ce qui se passe? Non, elle a l'air quand même un peu de jouer. Voilà. De jouer les ombres. Alors que tu arrives là. Bah, moi, je voulais arriver justement comme tu disais. Libre à toi de continuer sur ta lancée. Hein. Bah, ça dépend s'il m'a vu avant ou après. C'est vrai que peut-être que je ne le remarque pas, tiens. Ça peut être intéressant, ça. Est-ce que je la remarque comme tu veux. Il n'y a pas un jet pour savoir si je la remarque. Non. J'ai envie de faire un jet. Après... Non, c'est à toi de le considérer si ton personnage se précipite et pour lui. Ouais, mais je vais arriver. Moins de 3, tu ne me remarques pas. Je vais pousser la porte, je vais arriver. Camille, t'es où? Au moment où il crie ça, toi en haut de l'escalier, tu vois l'esprit qui semble s'envoler d'à peu près un mètre au-dessus du sol. Et à ta grande surprise, il ne vient pas vers toi pour aller vers Kadric. Mais il rentre dans le sol. Et par contre, Kadric, toi, tu vois cet esprit avec en armure, mais avec ce visage purulent, ce fantôme qui descend du milieu du plafond, en fait, et qui fait comme un plongeon, comme ça, et qui se dresse devant toi. Donc, moi, il m'a pas vu parce qu'il a traversé le truc et que je suis monté. Effectivement, toi tu es fort de tes nombreux succès, hein, tu n'es pas puni par cette action. Toi, tu te retrouves finalement en quelque sorte face à cette salle de réception, hein, en quelque sorte, avec le champ libre. À l'extérieur, effectivement, tu entends, mais quand tu entends de nombreux... Tu entends toujours des grattements malgré ces mains squelettiques qui apparaissent. Sylar, tu sens que... Il y a des dizaines de mains et qu'il y en a encore en dessous, en fait. Je hurle à Buzit d'aller chercher quelque chose pour boucher le puits, je ne sais pas. Et moi, avec ma lame, j'essaye de les repousser à chaque fois à l'intérieur. Si je les balaye au fur et à mesure quand ils montent.
D'accord. Vas-y, trouve quelque chose. Tu joues plus sur la rapidité que forcément tes dégâts. En fait, le but c'est de frapper le plus de mains possible pour qu'il s'écroule. Je tape tout. Allez, je t'invite à faire un défi de danger via la dextérité. Mon cher. Parce que le but c'était d'être rapide. Comment ça pourrait mal se passer? C'est impossible. Très bien. Tu commences à frapper des mains, il y a plusieurs squelettes qui chutent, mais tu te rends compte que tu ne sais pas combien il y a de morts là-dedans. Mais ça doit être peut-être tous les morts qu'on te dit dans cette légende que la moitié ne reviennent pas. Ils sont peut-être tous dans ce puits, en fait, tellement qu'il y en a. Effectivement, il est vrai que partout ailleurs dans le bastion, vous ne voyez pas de cadavres. Jusqu'ici, il n'y a pas de cadavre. Mais par contre, de ce puits sort, pas forcément en armure d'ailleurs, ou armé comme les premiers qui étaient des soldats. Tu aperçois des squelettes en différents états de décomposition qui commencent à sortir, qui débordent un peu. T'en as un qui s'avance, tu vois, il a pas de jambes, mais c'est qu'il y a un buste qui commence à ramper. Alors que tu recules désespérément, mon cher Silar, tu es assez vite pris au dépourvu. Tu vas te prendre un petit D6. Dommage. Ça te fait déco ta cam, mais je comprends, ça fait peur. Il quitte Discord pour éviter ce D6 de dommage. Il ne veut pas être blessé. Non, je ne serai pas blessé. Tu te prends 3 points de dégâts, ce qui ne fait rien. Tu arrives à bloquer. Alors, mais par contre, t'es débordé. Hein. Je suis à fond. T'es obligé de reculer. Tu hurles plus vite. Tout le monde entend le cri de Silar à l'extérieur. D'ailleurs, vous entendez ces craquements même à l'intérieur de la tour. Buzit, que fais-tu? Alors, moi, j'entends le paladin qui crie Buzit. Et tu vois le truc qui déborde. Mon violon, je peux les faire un par un. Ça va être compliqué. Quoi. Je me casse dans la tour direct. Mais la porte entre moi et ces apparitions. D'accord. Et tu sais, je claque la porte et je me mets derrière, tu sais, pour pas que ça rentre. Alors, tu laisses Silar derrière. Ça va, d'accord. Tu rentres, tu fermes la porte, tu arrives tôt à Kadric et tu tombes face à cette chose qui vole en l'air, un esprit fantomatique, effrayant, pustuleux, purulent. J'ouvre la porte et je vais dehors et je on doit apercevoir sur la scène, alors que t'es plaqué contre la porte, cette petite goutte de sueur qui coule le long de ta tempe. En haut de ton escalier, ma chère Nita, que fais-tu? Tu entends tout ça, hein. Tu entends, tu vois là, tu sais que, enfin, vis-à-vis de la situation, il est plus temps de prendre son temps. Voilà, il faut agir vite. Tu ne sais pas peut-être comment, pourquoi, mais en tout cas, tu sens que le temps presse là pour. Bah, on m'a dit qu'il fallait les libérer pour pouvoir passer. Donc, je suppose que dans cette salle, il doit y avoir quelque chose qui me permettrait de les libérer. Donc, je regarde partout dans la salle, voir si je trouve quelque chose qui pourrait libérer les squelettes, en fait. Tu pénètres dans la salle. Effectivement, tu vois ce grand banquet. Fais attention aux ombres que tu m'as dit. Tu vois ce grand banquet, en fait, effectivement, il y a des... En fait, il y a des gens assis, du moins des corps assis, qui semblent immobiles. D'accord. Au fond, complètement, il y a un trône. En fait, cette grande chaise que tu apercevais au début, maintenant que tu es dans la salle, tu constates clairement, il y a un trône. Et assis sur ce trône,
il y a un homme en armure. C'est le même que le fantôme ? Tu ne sais pas. Ça, comme ça, ça va être dur. En tout cas, c'est un homme en armure. Couronné. Semble-t-il. Sans doute le seigneur des lieux. Et il est assis sur son trône, faisant face à ce banquet macabre où tout le monde semble mort, mais tous les corps que tu vois semblent morts depuis très très longtemps, hein, mais c'est... Et la nourriture, etc., il n'y a plus de nourriture, hein, tout a disparu, n'est que poussière, il y a encore des assiettes. Non, mais je vais vers la table du banquet voir s'il y a un objet qui serait maudit ou je sais pas. La couronne ou je sais pas. Parce qu'il faut que je me débarrasse d'eux en fait. Là, c'est celle qui prête le plus. Vous entendez Buzit et Kadric ainsi que Nita en haut de la tour. Hein. L'esprit vous fait face. Et d'une voix glaciale, te dit à toi, Kadric, puisque tu es le premier rentré, le premier face à lui, te dit ces mots. Je suis le seul et unique seigneur de ces lieux. Pour passer, il faut en payer le prix. La moitié d'entre vous devra être sacrifiée par l'autre moitié. Yes. On n'est pas un père. Et puis il rajoute, ceci est la loi. Ceci sera la loi pour l'éternité tant que je suis le maître de ces lieux. Alors je me rappelle du fait qu'il soit passé au travers d'un mur. Je regarde mon marteau. Effectivement, tu as dit que frapper un fantôme avec un marteau, tout se tente, hein, mais... Moi, je dis, votre seigneurie, j'ai laissé un paladin là, dans la cour avec plein de... Okay. Ça compte ou pas ? Non ? Tu tentes de négocier avec un esprit. Déjà, Kadric, je te rappelle que tu entends ce cher Buzit en train de mentionner qu'il a lancé Silar apparemment dans la mouise derrière la porte. Toi, t'es à un côté, tu dis mais... Aïe, aïe, aïe. Il est où Silar ? Parce que toi, tu tournes la tête et effectivement, tu vois que Buzit. Voilà. Je suis un peu occupé. Silar, que fais-tu ? Toi, t'as vu la porte se fermer derrière Buzit que t'appelais à l'aide. J'ai envie de dire, c'est une petite question, hein. Je pense qu'elle est bien tournée, mon cher Silar. Je regarde une petite chose. Les écarts de conduite mettent Buzit à son âme en danger, sans doute, surtout ce genre d'écart de conduite. Que pense Fenris d'un tel acte ? Fenris pense que... Je pense qu'il devrait y avoir punition. D'accord. Tout au moins, explication. Très bien. Je suis sûr que c'est pour... j'ose espérer que c'est pour aller chercher un moyen de me sortir de ce mauvais parc qu'il a fait ça. Sans doute. Cela dit, tu vois carrément de ce puits hein, dégorge une marée de morvions. Ouais. Est-ce que je peux essayer de regarder mon environnement pour voir si j'aurais quelque chose pour me sortir de là ? Je ne sais pas, moi. Ça va peut-être me mettre encore plus dans la merde, mais qui sait ? Non, mais j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu recherches ? Exactement. Moi, je cherche un truc à... Un endroit où t'enfermer, un endroit où grimper, un endroit... Je ne sais pas. Un endroit pour... Peut-être quelque chose pour détruire mon puits. Un autre endroit pour rentrer dans la tour ? Peut-être aussi, ouais. J'hésitais à détruire le puits aussi, mais bon... Détruire le puits signifierait s'approcher du puits. Chose que tu es plutôt le contraire hein, vis-à-vis de la situation. Je remets la situation, t'imagines vraiment là...
t'es voilà, t'es dans le film de zombies, quoi. Ça dégorge de morts vivants, de ce trou béant. Hein. C'est que là, toi, t'as reculé, mais si tu ne fais rien, effectivement, ils vont effectivement se précipiter vers toi. Non, mais effectivement, je cherche un moyen d'entrer dans la tour tout en reculant et en ferraillant avec les squelettes. Eh bien, comme je l'avais dit au début, il y a des fenêtres dans cette tour. Donc effectivement, tu pourrais tenter d'escalader. Ce n'est pas sans risque. Bon. Et tu estimerais que ces créatures, pour l'instant, sont sans doute extirpées du puits en montant l'une sur l'autre, parce qu'elles sont dans un endroit un peu confinées, c'est pas pour ça qu'elles sont sans doute agiles pour escalader, et ça pourrait te permettre au moins de gagner du temps pénétrant dans cette tour. Eh bien, soit, c'est ce que je vais faire. Je me hisse, je cherche des prises à la force des bras. Ah, je vais te demander un défi de danger via la dextérité. C'est dans l'ensemble, hein, c'est fuir les squelettes, grimper, etc. La pote. Oh, grimpe au sommet. J'allais dire, tu gagnes encore en expérience ? Non. Alors, tu cours assez vite. Fenris doit te donner des ailes. Il y avait un exercice comme ça quand on était jeune. On ne pouvait pas manger, il fallait grimper une falaise pour aller au réfectoire. Sinon, on n'avait pas à manger. Poursuivi par une meute de loup. Avec... avec une cuisse de poulet accrochée aux fesses. Ça motivait dur. Donc effectivement, sans doute que oui, effectivement, cette tour est certes en bon état, mais il y a de nombreuses prises, et puisque ça reste quand même un bastion en ruine, et tu arrives avec aisance à arriver dans l'encadré de cette fenêtre. Et effectivement, ma chère, tu vois, Sylar arriver dans l'encadré de la fenêtre, elle a encadré de lumière. Je vais essayer de ne pas faire de bruit. Et vous réentendez la voix, suite sans doute au propos de Buzit, la voix résonner. La moitié d'entre vous doit sacrifier l'autre moitié afin de passer. Tel est le prix à payer. Faites votre choix rapidement, ou aucun de vous ne sortira vivant. Bon, bah, je vais me retourner vers Buzit. Bon, bah, écoutez, c'est pas que j'ai une dent contre vous, mais vu que c'est la règle du château, voyez-vous. Bien sûr. Après, je suis généreux, je vous laisse un temps d'avance si vous voulez courir. Bon, pendant d'accord, je cours vers les escaliers. Oui, effectivement, Nita, de ton côté, je vais. Que fais-tu ? J'ai pu m'approcher du trône et. Ouais. Oui. Il y a quoi au niveau du trône ? Il y a une couronne, un objet, une amulette L'homme a effectivement un genre de couronne. Je la prends. Je pense que ça fait. Je lui enlève de la tête, en fait. D'accord. Donc tu te prépares à la saisir. Sylar, toi, tu vois ça, est-ce que tu fais quelque chose de particulier? Alors, il y a. Tu peux me redire un peu ce qu'il y a dans la salle, s'il te plaît? Il y a un buffet. Il y a deux tables parallèles, un buffet avec pas mal, je pense, une dizaine de personnes attablées. Mais ces personnes sont complètement momifiées. C'est même pas des squelettes. Tu sais, leur peau est arrivée complètement asséchée. Autrement, il y a tout de la vaisselle semblable à ce qui devait être un grand banquet, sauf que il n'y a plus de nourriture depuis bien des lustres. Il y a ce trône et cette personne en armure assise et avec effectivement une couronne. Une couronne assez. Pas forcément, enfin. De ce que tu vois de loin, hein, même Nita, tu la vois de près, c'est vraiment qu'un cercle de fer. Hein. C'est pas quelque chose qui. De clinquant, c'est plutôt quelque chose de très, très. Plutôt simple. En fait, je murmure à Sylar, je lui dis: cherche un objet, celui qui contrôle nos potes en bas, là.
Je m'agenouille quelques secondes et je fais une petite prière pour savoir où est le mal ici. C'est pas un move particulier. Hein. C'est un truc d'un humain. C'est que parce que je suis un humain paladin. C'est marqué, le MJ me répondra sincèrement. Voilà. Non, mais j'avais pas vu ton move. Quand vous priez, même brièvement, pour obtenir un conseil et que vous demandez où est le mal ici, le MJ vous répondra sincèrement. Clairement, le mal vient du trône. Et surtout de la personne assise sur ce trône, effectivement. Je vais le cramer, le mec sur le trône. Non mais pas quand t'es là, de toute façon tu vas me voir sortir une torche et tout, t'attends que le j'ai pas de lance-flamme. J'imagine bien l'autre avec son bic là en train d'essayer d'allumer le type. On va juste le virer en fait. Alors que tu vois Sidar qui commence à sortir son Sidax, sa torche et donc... Tu vas quand même utiliser un équipement de ton matériel d'aventurier, hein, bien entendu. Tu sors tout ça. Ça laisse quand même le temps déjà à chacun d'entre vous de faire éventuellement quelque chose ou rien. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il va rien se passer si vous ne faites rien. Ça serait trop bien. Nita, par contre, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu te prépares à prendre la couronne. Tu vois Silar qui se met à prier et puis sortir sa torche. Apparemment, il veut faire un barbecue. Que fais-tu? C'est le réflexe paladin, j'y peux rien. C'est en brûle. Ouais. C'est dans le manuel. T'es paladin, t'es pas répurgateur. C'est pas le même métier. Hein. C'est pas non, le même monde. Du coup, j'enlève la couronne. Tu enlèves la couronne. Tu vas me faire un défi le danger. Ça, c'est plus ça. J'ai juste pour via la sagesse. Oh. Mais non, mais elle est monstrueuse aujourd'hui. Tu as beaucoup de chance. Tu enlèves la couronne. Tu tiens la couronne. Vous voyez face à vous les deux autres en bas, mon cher. Nita, Spectral. Musite et Kadric. L'esprit fantomatique, avoir un visage, déjà qu'il a un visage affreux, hein, je vous rappelle, purulent, se transformer en un visage mais de colère et de rage, et se précipiter vers l'étage. En fait. Il flotte quoi? Ah bah lui il flotte, oui. Et traverse le sol et en fait... Par chance, tu arrives à saisir la couronne alors que sa main fantomatique semblait vouloir te saisir. Et en fait, tu as juste eu le temps en fait, de remarquer qu'il arrive et de reculer. Eh ben non. Tu as la couronne en main. Vas-y, on se la passe, tu sais, on se fait des passes avec la couronne. Qu'apparemment, l'esprit, ça semble plus. À l'heure actuelle, le mettre un peu en rogne plus qu'autre chose. Je vais courir avec, je m'en fous. Je vais faire le tour de la salle. Quitte ce monde, engeance démoniaque. Que faites-vous en dessous? Je vais ouvrir la porte. Ouais. Et moi, Donc quoi, tu ouvres la porte, tu vas essayer de derrière. Je pense que ta première réaction va être simple au moment où tu ouvres la porte. T'as très envie de la refermer, hein, parce que tu vois, mais tu préfères même pas les compter, mais t'en comptes au moins une vingtaine de squelettes qui arrivent et... Ils sont trop nombreux. Je comprends. Qui se précipitent sur la porte. Je ne vois pas Silar du coup de l'autre côté. Je referme la porte tout de suite. Et tu dis que s'il était l'autre côté, là, il s'est fait bouffer. Enfin, et
J'essaye tant bien que mal de la barricader. Il doit y avoir des meubles qui traînent, des vieux meubles là. Je vais essayer de les pousser devant la porte pour. T'essayes de la barricader. Ça permettra de gagner, de gagner du temps. Il y a surtout des pierres, etc. Sans tomber des fondations. Oui, des vieux. Tu commences à faire ça. Il n'y a pas de souci. De ton côté, mon cher Pusit, que fais-tu? Ah bah moi comme Kadrick. Vous entendez du bruit en haut, hein, aussi. Hein. Comme Kadrick m'a menacé, forcément je cours en haut en le laissant à son triste sort, hein, tant pis pour lui. Et j'aurais pu l'aider, mais. tu tournes à nez avec Scylla, qui est en train d'allumer une torche. Je lui balance la couronne dans la tête, tu vois. Mais pourquoi? D'accord, si tu veux. Juste pour que ce soit le fantôme, il suit Budit, mais plus moi. Tu lances la couronne? C'est ce que tu fais réellement? Si je vois Busy, ouais, je lui balance dans les mains. Je fais attrape! Ah bah oui. J'attrape. On te lance une couronne. Oui, fait... j'attrape, bah, bien sûr. J'attrape. Et qu'est-ce que tu en fais? Bah rien, je fais c'est quoi? C'est tout. Bah tu vois pas le fantôme. Tu vois un fantôme précipiter dans ta direction. Maintenant, okay. Cours! Bah je jette vers le bas, vers Kadrick. C'est la balle aux prisonniers. Alors, surtout, ça va pas durer très longtemps parce qu'en fait, tu lances en bas où Kadrick est très occupé en train de soulever des meubles et des pierres. La couronne tombe au sol, hein, vous l'entendez ding 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 ding. Et. L'esprit, apparemment, lui, a pas trop envie de jouer avec vous. Ouais, parce qu'au bout d'un moment, la balle au prisonnier, ça ne dure qu'un temps. Il aime pas le jeu du taureau, c'est tout. Puisqu'il descend, lui, à sa... Il descend à travers le sol. Semble... se met... Apparemment, il... pas vraiment intervenir sur la couronne, donc il semble se placer dessus et vous l'entendez hurler: vous avez fait votre choix. Et là par contre, tous les gens en train de festoyer commencent à se lever, c'est-à-dire qu'il y a une dizaine de personnes qui sont en train qui étaient de cadavres, hein, je rappelle, parce qu'il festoyait pas vraiment, commence à se lever. Scylla, tu veux quoi? Bah, moi Scylla, j'étais occupé pendant que vous chevilliez à la couronne. Et Scylla, tu as une torche. Tu as une torche. Ah, moi, je mon but c'était de faire tomber la silhouette qui était sur le trône par terre, de lui mettre le feu et d'observer d'observer ce trône, je sais pas, il est comment ce trône? Il est gravé, il est... Oh, non, j'en fous. En fait, je vais t'accorder autre chose, parce que où est le mal ici? T'es un peu évasif, c'est même... Enfin, pas évasif, j'étais sincère, mais... tu allumes ta torche, sauf que tu remarques... vis-à-vis de ta prière, t'as une sensation que... Ouais, t'as vraiment une sensation qu'en fait, le mal s'est déplacé. Oh putain, c'est la couronne. T'avais raison, Nita, c'est la couronne. Putain, je savais. Mais qu'apparemment... Apparemment, bah, ça explique pourquoi il est un peu en rogne, hein, que vous jouez avec. Mais apparemment, l'enlever... Ne suffit pas. N'a pas suffi. Et ça l'a pas pété de la balancer en bas? Bah, c'est un cercle de métal. Hein. Ouais, mais je sais pas, peut-être qu'il y avait une pierre dessus. Non, mais c'est... Bon, j'avais pas de pierre. Ah, du coup, je vais tenter contre, de... Il y a une dizaine de cadavres qui se lèvent aussi. Hein, quand même. Ouais, c'est ça, je vais tenter de protéger Nita en lui disant de choper la couronne. Bah, je cours, moi, du coup. Je vais la récupérer, vu que Busy l'a balancée en bas. Oui, mais il y a un fantôme dessus, en fait.
Ouais, il s'est assis dessus comme ça. Ouais, bah, en fait, il est au-dessus, ouais. Il est au-dessus, clairement. Vas-y, Nita. Tu mets un petit coup de main derrière l'épaule pour qu'il descende l'escalier. D'accord. Alors, Scylla, tu essaies d'empêcher au moins J'empêche les fossoyeurs, voilà ça, ouais, exactement. Je défends la zone. Je la défends en zone. Bah, tu vas me faire un. C'est dur. Effectivement, tu vas me faire un taillis en pièces, je pense, puisque clairement, si tu veux les empêcher de passer ou. C'est pas que les empêcher de passer, c'est que, à moins que tu me dises que tu prends autrement, mais ceux-ci sont agressifs sur à peu près tout ce qui est vivant. Ah non, j'essaie de couper tout ce qui arrive pour pas que ça arrive effectivement. Sur mes compagnons. C'est un taillé en pièces, hein, sur le premier qui arrive en tout cas. Oh, bigre. Ils sont trop nombreux encore une fois. Tu ne t'appelles pas Kaolo. Très bien, tu vas me lancer un des 6. Tu te prends un point de dégâts et alors que tu es en prise avec le premier, hélas, on a un qui commence à descendre l'escalier, à suivre Nita. Buzit, que fais-tu? Ah, mais si j'ai croisé Buzit, je l'ai pris avec moi. Je l'ai tiré. Ah non, mais Buzit, il est en haut. Hein. C'est toi qui l'as lancé. Il est en haut, hein. Tu lui as lancé des trucs. Il n'est pas forcément d'humeur à suivre le danger, Buzit. Donc, je ne sais pas, sauf que là, il a l'air d'avoir du danger un peu partout. Ça a l'air un peu la mouise. Moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Celle qui sait ce qu'il faut faire, elle ne partage pas ses infos. Donc, moi, vous êtes tous. Je l'ai gueulé la couronne. J'ai dit qu'elle avait raison et tout. Et après, vous avez tous entendu. Vous avez tous entendu ce qu'a dit l'esprit. Oui, non, mais l'autre qu'il faut libérer, je sais pas quoi. Du coup, moi, je continue ma technique hein, sur ceux qui arrivent sur moi. Hein. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Je suppose que ces gens-là, ils agissent pas de leur propre chef non plus. Donc, du coup, je continue de jouer du violon frénétiquement. Il a de bonnes grosses bottes qui pourraient casser du métal. Je commence à faire mes prières dans ma tête parce que je vois pas comment on va s'en sortir avec cette équipe de bras cassés. Mais bon. J'essaye de survivre jusqu'au dernier moment. L'un d'eux s'effondre au sol. Et il en reste encore 9. 9 ! Ouais ! Et par contre, de ton côté, Buzit, Kadric. Bah, tu vois hein, cette couronne qui tombe, tu vois l'esprit se mettre devant. Commencer, toi qui es en bas, tu commences à le voir sembler faire des mouvements avec ses bras. Ça, un peu étrange. Et toi, surtout, tu vois la couronne, tu vois l'esprit à côté. Et tu vois Nita, t'entends la couronne, la panique en haut. Faut la casser! T'entends Scylar qui crie, je ne sais, la couronne d'ailleurs, donc tu sais que Scylar est vivant, t'entends que ça commence à avoir des... Elle est tombée en bas, là où je suis? La ouais. Couronne? Ah oui! mes pieds! Après, tes pieds, elle est dans la même pièce que toi! Bah, du coup, je vais aller vers la couronne et je vais tenter de mettre mon marteau dessus. Vu que j'entends Nita qui gueule là-haut, faut la casser! Tu tentes de la fracasser, effectivement, bah, tu vas me faire un défi de danger via la force. La chance, c'est t'es fort. Le MJ vous présente une situation qui empire un marché pénible, un choix désagréable. Clairement. Au moment où tu commences à te préparer à la frapper, tu sens que ton marteau commence à pénétrer dans l'esprit. Oui. Tu vas pouvoir... Tu sais que si tu continues ton mouvement, tu vas frapper la couronne. Mais dans ton mouvement, il est évident que... Peut-être que vis-à-vis de la position de l'esprit qui s'avance en même temps vers toi, tes mains vont traverser l'esprit. Tu ne sais pas ce que ça va faire,
mais tu te doutes que ça va pas être très agréable. Soit tu continues ton mouvement et tu laisses ses mains traverser, esprit, soit tu fais un pas en arrière, tu ne frapperas pas la couronne, mais t'éviteras ce qui pourrait arriver. Ouais, en gros. Qu'est-ce que là ? Tu fais le choix. Tu ne sais pas ce qui va arriver si tes mains traversent, mais... Je vais aller jusqu'au bout, je me vois mal déjà faire un pas en arrière alors que j'ai lancé mon marteau. J'ai lancé mon marteau, quoi. Donc... C'est trop lourd. Tu... Emporté par l'élan, je vais jusqu'au bout. Ah non, ouais, ouais, après... Tu le lances... Alors... Très bien. Tu lances un des 10. Très bien. Tu perds. Tu frappes la couronne. Tu as une douleur insupportable à une de tes mains. Alors que la couronne se brise. Au même moment, tu vois une fissure dans la couronne. Il me semble pas forcément excessivement solide. Hein. C'est comme j'ai dit. Mais la même fissure se forme le long de l'esprit. Et au moment où la couronne se brise, l'esprit semble se scinder également en deux, en même temps que tu coupes cette couronne en deux. Et au même moment, tous les cadavres qui vous attaquaient tombent sur le sol, inertes. Vous entendez un genre de bruit bizarre, de milliers d'os qui se répandent partout. C'est possible, ça, non ? À l'extérieur. Il a perdu les os. Par contre, tu as une tu as une profonde douleur à la main, mon cher Cadric. Tu perds 4 points de vie. Brut, je suppose. Oui. T'as pas de, y a pas de. Et au moment où t'enlèves ton gantelet parce que t'es en armure. Hein, regarde ta main. Sur ta main droite, tu as deux doigts. Ces deux doigts-là. Le petit doigt et l'annulaire. Qui sont d'un... Un bleu vif. ouais, ils sont bleus, mais bleu ciel, quoi. C'est pas bleu gangrène. C'est pas bleu, mauvais ciel, enfin, tu vois, d'une blessure. Ils sont d'un bleu ciel. Comme un artiste les peindrait pour représenter de la glace. Et tu ne les sens pas. Super. Bah, moi, tu ne les sens plus, mais ils sont toujours là. Hein. Ils sont toujours là. Ah, est-ce que c'est rassurant ? Tu ne sais pas. Mais... Je descendais, est-ce que je peux me précipiter vers lui ? Alors la vraie question, c'est que pour l'instant, en fait, au moment où tout ça se passe, il y a quand même un bruit sourd, alors que le fantôme meurt, en quelque sorte, cette fois. Il pousse un cri qui est énorme, qui résonne, mais qui doit résonner pas que dans la tour, hein, qui résonne dans la gorge entière où se trouve le bastion. Tout le monde, vous êtes obligé un peu de vous boucher les oreilles. Cadric, tu vois ta main. Par contre, Cadric, libre à toi de dire si tu montres ta main aux autres ou non. Oui, quand même. J'essaye de soigner. Ah, voilà. Donc, tu vois, ma chère... Alors que... Que faites... Tu regardes sa main. T'as vu, c'est marrant, je peux les toucher, j'arrive pas à les sentir. Je pense que c'est normal. Non. Est-ce que je peux, avec ma grande sagesse, je peux trouver un remède à ces doigts paralysés ? Je pense que mon plus que paralysé, ça suffirait. Alors, non, mais maudit ou un truc comme ça, les réchauffer. Quoi. Tu vas me lancer un étaler ta science. Et celle-là va faire un gros critique. Elle qui réussit depuis le début. Non. Ça va. Très bien. Le problème, c'est que
Effectivement. T'es obligé de me dire quelque chose d'intéressant. Oui, oui, oui. D'utile et d'intéressant. Ce qui est intéressant et qui est un peu un problème, c'est que tu peux lui soigner sa blessure. La douleur qu'il a sentie. Mais le problème de la couleur ne changera pas, en fait. Le problème de la couleur, c'est que il vient d'être touché par un mal qui est plus magique, voire proche de la malédiction, que effectivement que de la simple blessure physique. Oui, ça je sais, mais. Après, ce que tu sais, que pour changer ça, il y a certes des rituels possibles, mais pour ça, il faudrait rencontrer. Toi, tu sais que faudrait un prêtre. Ouais, ok. Faudrait un prêtre. Et vous n'êtes pas prêtre. Non, mais d'accord, ok. Libération d'enchantement marchera pas là-dessus. Non, c'est pas de l'enchantement. On n'est pas sur de l'enchantement. Non, il faut de la bénédiction, là. Enfin, la libération. Effectivement, faudrait un prêtre. Peut-être un prêtre Un paladin, ça fait. C'est pas un prêtre. C'est. Non, je lui explique. Hein. Je lui dis, écoutez, là, pour tes doigts, malheureusement, je peux rien faire. Mais par contre, un prêtre, il pourra sûrement t'arranger ça. Par contre, tu peux le soigner de sa blessure. Oui, mais par contre, je peux te soigner de ta blessure. Oui, ça y est, pas de problème. Pendant qu'elle me soigne, je vais essayer de jouer avec les doigts, voir si c'est gênant sur le long terme. Je dis ça, mais je crois pas que Nita a spécialement de dons pour soigner. Non, mais j'ai mon cataplasme. Ah oui, tu peux mettre un cataplasme. Ah, je mets un cataplasme, mais le deuxième cataplasme qui me reste. Parce qu'il y en a. Je dis ça, mais c'est juste parce qu'il y a l'un de vous qui a des talents. Moi, je peux faire des soins, mais on veut balancer ses cataplasmes. T'es pas le seul, en fait. Hein. T'es pas le seul. Moi, je ne peux pas soigner, mais Fenris le peut, à travers moi. Ouais, voilà, c'est ça. Le paladin n'est pas un prêtre, mais il a des talents, quand même. Non, mais je me sens responsable de ce qui est arrivé à Cadric, donc je vais utiliser un cataplasme sur lui. D'accord. Non, mais c'est juste que je dis ça, parce que les soins magiques comme les bardes ou les paladins, c'est beaucoup plus efficace que l'espèce de bouillabaisse de plante que tu laissais lui foutre sur la main. Mais... J'accepte que tu lui mettes un cataplasme, ne t'inquiète pas. De toute façon, personnellement, il m'a menacé de mort, j'aurais pas soigné. Donc il y a le cataplasme... Moi, par contre, ça fait pas de refus. Donc tu perds une utilisation de ton cataplasme. Ouais. Et par contre, il met un moment à agir. Ouais, c'est long, mais en fait, en tout et pour tout, tu vas pouvoir récupérer jusqu'à 7 points de vie, mais c'est sur une durée longue. D'accord. Mais du coup, comme je disais, j'étais en train de jouer avec mes doigts pour savoir si ça me gênait en soi dans les mouvements, en fait. Est-ce que je suis handicapé par ça ? J'ai perdu en prise ? Non, pas spécialement. D'accord. T'es tout bleu. C'est bizarre parce que tu les sens pas, mais quand tu les... Voilà, quand tu bouges ta main, t'arrives à bouger ta main normalement, en fait. Ouais. Ok. Doigts bouge. Quand tu parles de temps en temps, tu remplaces certains mots par schtroumpf. Tu ne peux pas t'empêcher. Et tu adores les bonnets maintenant. Maintenant que vous êtes là, que vous avez examiné votre cher Cadric, que faites-vous ? Ah, moi je m'écroule par terre. J'en peux plus. Et je me tiens l'épaule. Bah, je vais essayer de la soigner du coup. Jouer un petit terre. Pour la réconforter. Ou l'achever. Je peux pas me tenir l'épaule et me boucher les oreilles en même temps. C'est pas possible.
Ah, ça peut se propager à d'autres cibles, hein. Si d'autres veulent des soins, il n'y a pas de souci. Hein. Je crois que c'est pas ça qui va se passer, bizarrement. Non. Puzit ? Ça soit une fantôme. Je vais être très généreux avec toi. Puzit, quand tu t'approches de Nita et tu joues ta petite mélodie. Et cela fonctionne, hein, je rappelle, hein, puisque c'est quand même un succès partiel. Donc tu lui fais récupérer 8 points de vie. Je pense que c'est bien plus qu'il a dans la... Royal. Et ton regard perçant, peut-être quelque peu avide, à l'endroit où l'esprit est mort, il y a cette couronne brisée, mais une petite pierre précieuse, brillante, magnifique, magnifique, d'un vert, un émeraude sans doute. Peut-être qu'elle était sertie dans cette couronne, tu l'as pas bien vue, hein, dans la précipitation. Il serait dommage de la laisser, n'est-ce pas, cher Busite? Ah non, mais je l'empoche direct. C'est même pas question. Bien sûr, tu la mets dans ta poche. C'est sans que personne le voit, on est d'accord. Bien entendu. Voilà. Bien entendu, tu es discret comme une ombre. Personne ne fait attention à Busite le formidable. Ouais. J'ai fait 8 sur un des 8, hein, tu peux me remercier. Encore une fois, je te sonne la vie. Franchement, là, j'avoue, merci beaucoup. Mais que faites-vous d'autre? Que faites-vous? Ah, moi, je m'approche de Buzzit. Je me cale vraiment à quelques millimètres de lui. J'attrape une mèche de ses cheveux et je la coupe avec la lame de mon épée. Et je lui dis, Buzzit, ce que tu viens de faire est un des plus grands péchés pour l'œil de Fenris. Sache que je ne le tolérerai qu'une fois. Ceci est ton dernier avertissement. Tu peux être couard, tu peux fuir le combat, mais si tu te places toi-même dans la position d'un ennemi, je devrais malheureusement te considérer comme cela. Tu as bien des talents. Ne les sous-estime pas et montre-toi fier dans la bataille. Ouais, tu as bien compris le message? Alors, du coup, moi, j'ai pas fait le malin. Il est plus grand, plus fort que moi. Et une fois qu'il a fini sa tirade, je me tourne vers Nita et je fais bon, bah, j'aurais pu te soigner. Bah, et celui qui a pas compris, en fait. J'entends ça? T'es à côté, bah oui. T'es juste devant moi. C'est très bien de quoi je parle, Buzzit. Tu as refermé la porte, me laissant avec toute cette armée de morts. Je sais très bien que tu n'es pas un combattant et que tu nous aides avec tes sorts. Et je ne sais pas que tu nous trahisses. On s'en est bien sortis. Ouais. Heureusement que j'ai appris à escalader étant jeune paladin. Sinon je serais encore là dehors avec tous ces squelettes. Il était à deux doigts de mourir, ce pauvre Buzzit. Bon, en tout cas, bah merci Buzzit. Pour moi, ça va très bien. Là. Mon épaule, elle est pratiquement guérie, donc ça me va. Et après, je vais féliciter Nita. Je vais mettre une main sur l'épaule et lui dire « C'est grâce à toi que nous avons survécu à ces épreuves. Tu étais perspicace. » Bien pour l'instant, tes esprits ont l'air d'être en accord avec le loup suprême. Ça me réjouit. Cadric, tu n'as pas trop souffert? Non, ça va. Disons que j'aurais pu régler un problème qui malheureusement n'a pas pu être réglé. Mais bon, okay. vu comment ça se présente, il y a des chances qu'il se sacrifie lui. C'est intéressant ça. Quand Sylar te dit que tes esprits finalement ont permis de te guider. Qu'est-ce que t'en penses, ma chère Nita, qui jusqu'ici, tu disais finalement que Sylar doit apprendre à respecter le monde des esprits. Donc, qu'est-ce que t'en penses et... Ouais, qu'est-ce que t'en penses?
Est-ce que c'est suffisant finalement que le fait qu'il prononce ça ou non est-ce qu'il faut encore qu'il fasse un pas de plus dans le monde des esprits? Ben, jusqu'à présent, on n'a jamais eu de... On va dire qu'on avait des divergences d'opinion, tu vois, sur nos croyances. Mais en fait, si j'avais mis respecter le monde des esprits, c'est parce qu'il passait son temps, en fait, avant, à dire que mes croyances n'étaient pas justifiées, tu vois. Comme un paladin digne de ce nom en croisade. Et là, le fait qu'il dise que ses croyances à lui concordent avec les miennes, ça a fait changer mon opinion sur lui, ouais. Très bien. Il faut que je change maintenant le lien que j'ai avec lui, c'est ça? Quel lien tu penses avoir avec lui? Maintenant que tu le connais mieux, et puis vis-à-vis de ce que vous venez de vivre aussi. Bah, j'aurais réutilisé ces mots, en fait. J'aurais écrit... Si l'art est en adéquation avec mes esprits, avec le monde des esprits, tu vois, en quelque sorte. Il accepte, enfin, je sais pas comment dire. C'est pas accepté, mais genre, il met de l'authenticité dans mes croyances, tu vois. Il y fait attention maintenant, tu vois. Enfin, je sais pas comment dire. Je cherche le mot, mais je le trouve pas. C'est pas il croit en mes croyances à moi, mais il est tolérant, tu vois. Il est tolérant, tolère ma foi. Voilà, c'était ça. Il tolère mes croyances, tu vois. Siddhar tolère mes croyances. D'accord. Siddhar a appris à tolérer mes croyances. Je respecte tes croyances, même si j'espère qu'un jour tu te rendras compte que Fenrir. C'est ça. c'est ça, parce que moi j'attends le changement de lien, c'est jusqu'au jour où tu vas bazarder que c'est un truc qu'il faut brûler sur un bûcher, quoi. Pour l'instant, les esprits, ils ont bien été utiles. Donc, d'accord. Et ben, ça te fait gagner un point d'expérience. Hein. Je peux résoudre. Hein. Vis-à-vis, ça tombe bien. Vis-à-vis de ce que tu entends, toi, mon cher, des mots de la bouche de Siddhar, quand même. Siddhar que tu respectes, mon cher Kadric, en tant que combattant, hein, il a défendu ta cité en même temps que toi. Est-ce que tu considères toujours que cette petite Nita a besoin de toi pour survivre? Peut-être que oui, après tout, on la félicite, mais celui qui a vraiment brisé le. Qui a mis le point final, c'est encore toi. Ah oui, après, je l'ai pas réellement vu, donc je peux pas dire. Parce que c'est pour ça, c'est juste par rapport aux propos que tu entends. Même en parlant des propos qu'il entend, j'ai pas vu ce qui s'est passé. Moi, tout ce que. J'ai quasiment rien vu au final de ce qui s'est passé à l'étage. Comment t'as des cailloux devant une porte, exactement. Il y a une couronne qui est tombée, j'ai tapé dessus et tout s'est fini. Donc ce que dit Siddhar me fait méditer, mais ça ne certainement pas à revenir sur ma position actuelle. J'en ai pas suffisamment vu, du moins pour me faire changer d'avis. Bah, tu m'as vu partir. En tout cas, tu m'as vu partir seul et que je me suis réussi à me débrouiller. Non, même pas. Oh, il t'a pas vu de partir seul. Ah, il m'a pas vu partir. Et bah non, il se battait avec les squelettes. Il se demandait plutôt où t'étais passé. Et à la question, quand j'ai demandé où était la gamine, Buzit m'a rien dit. C'est Siddhar qui a prétendu qu'elle serait dans la tour. Donc. Et après, là, c'est moi qui surveille vos liens. Mais si vous-même vous voyez des liens qui potentiellement ont un sens d'être résolus, modifiés, etc. Libre à vous d'en faire part, bien entendu. Voilà. Ouais, moi, je pense que je vais changer celui avec Buzit. Hein. Moi, je peux le renforcer. Si l'art ne me fait pas confiance et il a raison, est-ce qu'on peut être encore plus là-dedans? Elle s'ancre encore plus dans la réalité, tu vois. Genre, il a passé son temps à me soigner, mais il passe son temps à dire que des conneries, tu vois. Tu peux très bien dire ma couardise
Bah, ça dépend quel est l'esprit de Buzit. Est-ce que Buzit a envie de se racheter? Ou est-ce qu'il s'en branle? Ah, absolument pas. Ouais. Non. T'as pas envie de t'en racheter ou tu t'en branles absolument pas? Non, c'est pas ça. Il a pas envie de se racheter, mais il va survivre, donc ne pas se faire tuer par un paladin. Mais après, ce que le paladin pense... Ah, donc c'est... donc tu pourrais très bien changer en Silar. Silar m'en veut. Je dois prendre garde à lui ou un truc comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Très bien, tu changes. Et de ton côté, Silar, c'est quoi? Je dois brûler Buzit et son violon sur un bûcher. C'est quoi? Non, là, ce serait... Je dois m'assurer que Buzit ne soit pas un danger pour l'équipe. Tu vois? Ne nous mettre pas en péril au combat. Tu l'as pas encore réalisé, ça? Ah, ça viendra, alors. Ah, tu peux très bien dire, Buzit est dangereux, je dois le garder à l'œil. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Ça revient même. Ouais. Ouais. Puis c'est assez général, quoi. Jusqu'à qu'il prouve qu'il n'est pas dangereux, ce qui n'est pas forcément simple. Très bien. Est-ce que vous faites quelque chose d'autre dans cette tour ou quittez-vous ce lieu maudit? Moi, une fois que je vais bien, je vais commencer à trouver une sortie. Ouais. Ah bah, la sortie de la tour, elle est simple, hein, y a une porte. Ah, je sais par où à laquelle vous êtes rentré. D'accord. Ça vous dirait pas de fouiller tu la tour quand même avant? Il y avait une autre porte, en fait. Non, non, il y a la même porte. Hein. Après, il suffit de passer à côté de la tour. Tu m'en veux pas, Nita, mais maintenant qu'on est ici et qu'on a un peu terrassé le match, j'ai bien envie de fouiller la tour. Ah, mais vas-y, il n'y a pas de problème. Je vais venir t'aider si tu veux. Puis bah, du coup, je vais fouiller la tour en fonction du nombre d'étages qu'elle a. Je pense qu'elle a plus d'un étage, quand même. Effectivement, vous... Derrière le trône, vous trouvez un escalier qui monte encore à un étage supérieur. Je vous avais dit qu'il n'était pas forcément très haut, hein, je crois, 3 ou 4 étages. Et vous devez tomber dans ce qui devait être à une époque, sans doute des quartiers. Et bien, il n'y a pas grand chose. Mais vous mettez la main quand même en fouillant les lieux sur la plupart des choses que vous trouvez en fait sont en ruine. Il devait y avoir des belles tentures, mais celles-ci sont déchirées. Il y a beaucoup de choses qui sont renversées, détruites, brûlées, brisées. C'était dommage parce que vous dites qu'il y avait sans doute des objets de valeur, mais qui ont été, hélas. Mais finalement, dans tout ça, vous trouvez une petite caissette avec quand même une centaine de pièces d'or. Ah, c'est cool. Un petit réconfort. Donc voilà. Ou si après... Si vous voulez partager, effectivement, ça fait 25 pièces d'or chacun. Mais on les met où, du coup, les pièces d'or? Ça compte dans quoi? Dans ton inventaire. Ça compte en poids aussi? Non, il n'y a pas de poids. Il y a un poids qui va partir si vous en transportez vraiment beaucoup. Mais autrement, 25 pièces d'or, ça n'a pas de poids. Donc, vous pouvez tous vous noter 25 pièces d'or. On n'en avait pas de base, d'ailleurs? Non, que moi. Non, si vous en aviez pas, vous en aviez pas. Le bout de miroir que j'ai récupéré, je peux le garder? Ça me coûte un poids aussi, ou pas? Non, t'as un bout de miroir, si tu veux. Tu peux le garder, effectivement. Et il a rien de particulier. Par contre, pardon. Oui. Je voulais savoir, vu que... Dans les questions que j'ai posées, ça m'a attiré l'œil, enfin ça m'a attiré vers le miroir. Je voulais savoir si le miroir en lui-même était particulier, tu vois.
Non. C'est utile. C'est à toi de décider en quoi il peut être utile. Ah, d'accord, ok. C'était plus pour le côté utile. J'ai cru que c'était pour le côté précieux. Tu m'as demandé un objet utile. Bah, c'est utile ou précieux. Mais là, c'est pas précieux, c'est utile. Ça aurait pu être un pied de table, mais t'as eu un miroir. Non, mais c'est utile. Après, il y a peut-être possibilité de détourner l'attention de l'esprit avec le miroir, ou ce genre de choses. D'attirer donc, l'esprit jouais... dans le miroir. T'aurais pu jouer avec ce genre de choses. Effectivement, non, non, il n'est pas précieux. Ok. Très bien. Vous... Moi, je vais prier pour toutes ces âmes, hein, évidemment. Je sais pas combien de temps ça prendra, mais je vais les recommander aux ancestrales. Je vais jeter un coup d'œil derrière la porte pour voir l'étendue du massacre. Ah ouais, bah, y a pas grand chose en fait. Non, et franchement, y a pas grand chose. À part que la cour est effectivement recouverte d'un genre de sable, un étrange sable. Toi, tu sais que tout ceci est. Ce sont des ossements. Il y a quelques bouts de tissu, quelques côtes de mailles un peu empêtrées dans ce sable. Mais. Et voilà. Rien de particulier. Ah putain, mon bon vieux Silard, t'es pas passé loin de la catastrophe quand même. Hein. Par contre. On parle pas. Je sais pas comment tu t'en es sorti. Mon cher Cadric, alors que tu parles et que tu regardais cette magnifique espérère, ben, vous êtes tous sortis, je suppose, hein, parce que la fouille faite, à moins que quelqu'un ait un truc fait dans la tour, hein. Fouille faite, vous sortez. Cadric admirait, espérant trouver un tas d'osselets et un peu déçu, tombé sur finalement que du sable d'ossement. Vous êtes là, et Cadric, tu commences à parler à Silard, et puis du coin de l'œil, tu aperçois quelque chose. On voit ton visage se tourner, et on voit d'où vous venez, pas la route à prendre. Vous savez que maintenant la route qui descend vers la fange pourpre est ouverte à vous, et il n'y a plus rien qui vous empêche maintenant de continuer. Votre chemin à travers le col, moi c'est ce que vous vous dites, et c'est une chose rassurante sur ce moment-là. Puis du coin de l'œil, il y a cette route qui monte, et c'est comme en haut d'une butte, au bout d'un moment ça s'arrête avant de sans doute redescendre un peu, et on voit pas. Et puis à ce sommet de cette route, qui doit être non loin de la tour finalement, où vous aviez peut-être campé, t'aperçois une silhouette qui semble être sur une monture, qui vous regarde, enfin, qui regarde vers vous. Elle ne reste pas longtemps, et elle fait demi-tour, et disparaît. Mais ce genre de silhouette, effectivement, toi, nain, dans tes montagnes, où tu vis, comme je l'ai déjà dit, t'en as souvent combattu, et t'en as souvent vu. Ça, c'est un éclaireur orc sur un warg. Et après tout, maintenant que vous avez ouvert le passage, qui les empêche de passer ?